Mais le plus important, c'est vraiment l'organisation de la tête de club. Je vais partir de l'organisation de la tête de club et on va constater après que la balle dans l'écartement des pieds n'est pas tout le temps placée au même endroit pour vraiment des trajectoires de balles spécifiques. D'accord. Au golf, il existe trois types de trajectoires. Une trajectoire standard, ce que tu viens de faire. Ouais. Il existe les trajectoires hautes Ok. et les trajectoires basses. Donc là, pour vraiment vous faire la petite démo pour commencer, je vais vous faire la démo sur des coups sur une cinquantaine de mètres pour vraiment voir les différentes hauteurs de balles. Et ensuite, on pourra l'amener jusqu'à du fer 7. Et on va voir sur du fer 7 qu'on peut gérer des trajectoires de balles et on peut aussi avancer en sécurité sur un parcours le jour où le swing il n'est pas forcément là. Donc là, l'exercice que tu vas nous faire faire, finalement, est applicable à tous les clubs Tous les et clubs. varie la panoplie de clubs. Position de club standard, on va avoir une balle qui va avoir une hauteur standard. D'accord. Hauteur basse, le moyen le plus simple pour avoir une balle basse, ça va être de fermer le club. Je pars toujours de l'organisation de ma tête de club. Je prends mon club, je le bascule vers l'avant. Là, on peut apercevoir que le club s'est fermé. Oui. Donc, je vais avoir une trajectoire basse. Attention, si je ferme mon club et que mon club regarde à droite, je vais avoir une balle qui va partir à droite. Donc, Donc toujours la face de club toujours la face orientée de vers la club cible. orientée vers la cime. Je positionne mon club. Le bout du manche toujours orienté cuisse gauche, aine gauche. Et là, on peut apercevoir que ma balle, elle est positionnée au pied droit. Oui. Je me mets en position, balle sur le pied droit, je conserve donc mes mains devant, je réalise mon mouvement. Là, on peut Et là, constater effectivement, la balle que est plus simplement, tendue. j'ai une balle qui est beaucoup plus tendue. Maintenant, à l'inverse, je prends mon club, je le bascule légèrement vers l'arrière, il ne faut pas le basculer de trop non plus, pour pas que la tranche remonte. Je le bascule un tout petit peu vers l'arrière. Le repère, c'est que le bout du manche, il ne dépasse pas non plus le haut de la tête de club quand je le bascule vers l'arrière. D'accord. Je m'organise toujours avec le club vers l'aine gauche. Ma balle est orientée sur le pied gauche. Et le fait maintenant de faire le mouvement en conservant mon organisation, je vais avoir une balle qui va beaucoup plus monter. Donc là, sur les approches, ça permet de gérer Les hauteurs de les balle. hauteurs de balle, donc la roule et la distance, et ça fait une panoplie en Sur une trois orientation gestes. de tête de club, on peut avoir trois trajectoires. D'accord. Si tu veux, je te laisse Eh essayer. ben ouais. Donc, une standard. Alors. Donc là, on a un coup standard. Ok. Je te mets la balle suivante. Dans la balle suivante, Là. on va déjà commencer, on va lâcher le grip, on va déjà orienter le club. D'accord. Et j'incline mon club vers l'avant. Je Naturellement, m'avance pour avoir pour être sur attention, l'aine. oui, à bien conserver le club aligné dans l'axe de OK. ma cible. Ah. J'ai une trajectoire de balle tendue. Ouais. Donc hop. Et du coup, un peu plus sur le. Et Et du là, coup, plus sur le pied droit. je vais avoir. En 1, Alors. oriente ton club, super. Après, tu l'orientes soit avec ta main gauche, soit avec ta main droite, c'est à toi d'être à l'aise. Ta balle, là, tu peux me reculer un petit peu plus le manche, super. Le bout du manche, toujours vers l'aine gauche, Ah, alors ça super. me fait aussi un peu écarter les pieds. Ça, tu vas avoir un léger décalage après, tu peux D'accord. avoir un léger décalage de pied sur la Là. gauche. Oh, je l'ai senti monter. Alors je suis un peu à gauche, mais c'est l'alignement. Et je l'ai Après, tout il de y a eu une suite. petite peur du coup, donc le Oui, coup était retenu, on peut-être. va en refaire une. Ouais. Et allez, on s'engage. Ouais. Et là, on a une balle qui monte. Oh, génial. Et ça, Alors, c'est applicable. Là, on le fait avec. On a un sand wedge. on le fait avec un sand wedge. Maintenant, je fais la même chose avec un fer 7. Situation d'approche haute au fer 7, aucun intérêt. Parce que si je veux faire une approche haute, je vais m'orienter plutôt sur le sand wedge. Le sand wedge étant le club le plus ouvert du sac. D'accord. Donc là, en fait, Donc on là, on va n'est plus sur varier du standard. un coup standard ou un coup Exactement. plus tendu. En se Donc on est en positionnant en coup approche. standard, grosso modo, la balle, Alors. donc balle positionnée au milieu de l'écartement des pieds, Voilà. la balle va voler 30% de la distance et va rouler 70%. OK. Y a une petite bosse sur le green qui
qui a freiné le. Et après, si je fais la même. En avançant. Donc, du coup, super, en avançant, tu peux avancer encore plus. Hein. Super. Ah, je l'ai, je l'ai senti dans l'impact. On l'a senti dans l'impact. Un impact beaucoup plus franc. Et une balle qui roule, une balle qui roule beaucoup plus. Et ça, c'est valable du coup avec des coups plus importants, voire est-ce que c'est valable sur un grand swing? Là, je vais te le montrer. C'est aussi valable sur un grand swing. Donc là, on là, là, on est à 135 mètres du trou. Donc, je vais te laisser faire une première balle normale, normale en standard. Et ensuite, dans le même travail, je pense que il y a même des très bons joueurs de golf ne vont pas s'amuser à faire des balles qui vont beaucoup monter sur un coup de fer 7. Le but étant vraiment là de travailler aujourd'hui la balle standard et la balle, balle orientée basse. Plutôt sur le pied droit, la balle basse. D'accord. L'approche lobée ou l'approche levée, c'est un plus. Mais sur un coup de fer 7, je pense qu'il vaut mieux avancer tranquillement en sécurité sur un parcours que de chercher à faire des balles au fer 7 qui vont monter énormément. D'accord. Alors, je vais déjà faire mon alignement tel qu'on m'a appris. Allez regarder la vidéo sur les alignements. Hop. Ok, donc là, ça a volé. Ça fait une certaine distance qui m'a l'air d'être cohérente pour mon fer 7. Donc, on était sur une hauteur de bas, donc... standard. Maintenant, on va réaliser une balle qui va être beaucoup plus basse. Donc dans le même principe que ce qu'on vient de voir sur la situation d'avant, on avait une cinquantaine de mètres pour le découvrir. On ferme le club. Club. Tu peux le fermer le club. Super. Voilà. Le club, le bout du manche orienté vers l'aine gauche. C'est la chose. Du coup, j'ai ma balle qui est un peu plus sur l'arrière. Tu as la balle qui est positionnée, je te fais une petite ombre chinoise. Ah. Tu as la balle qui est positionnée sur le pied droit. D'accord. Et là, on voit là, bien, effectivement, une haute hauteur de balle, tu as une balle qui est beaucoup plus tendue. Et ta balle, elle termine beaucoup plus près, parce que vu que ta balle est plus tendue, elle tombe est sur le fairway peut-être un petit peu plus court en termes de carry, mais ta balle roule beaucoup plus sur la trajectoire. Donc, ça donne bien des possibilités après de jeu. Pour le même club, deux possibilités. Exactement. Donc, j'élargis la panoplie de jeu. Exactement, et puis parcours. D'avancer plus en sécurité aussi sur le parcours pour éviter les dangers... qu'on va pouvoir retrouver sur un parcours ouais, de golf. Et profiter après de penser à la en termes de stratégie de jeu, de penser à la configuration du trou et d'avoir plusieurs possibilités. Donc, un coup normal avec un fer 7, 50-50. Et si je ferme le club, la balle se retrouve un peu plus sur l'arrière. Et je ferme la balle. Sera sur une trajectoire qui est beaucoup plus basse. On peut aussi utiliser ce type de coup dans les bois. Je dois passer en dessous des branches. Ah. Le but, c'est d'avoir une trajectoire basse. Ah oui, donc en même temps, je peux considérablement fermer le club en fonction des situations. Exactement. Et ça permet, cette balle qui va être plus sur le pied droit, ça va permettre d'avoir un contact de balle, comme tu as pu le sentir, beaucoup plus franc. Oui. Bon, bah aujourd'hui, je ne suis pas bien en swing. Allez, je peux faire avancer ma balle avec une balle sur le pied droit et pas me pourrir la partie, me polluer la partie. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai des contacts de balles qui ne sont pas forcément bons. Ça m'a donné, je ne sais pas si c'est cohérent, mais entre, il était plus facile de gérer une balle basse pour la même distance. J'ai eu un swing plus cool que quand j'essayais de faire un plein swing finalement. Une petite anecdote qui est assez marrante, c'est que Tiger Woods, quand il est venu la première fois au golf de Saint-Andrews pour réaliser l'Open, c'est là où il a commencé à apprendre à jouer au golf, en fait. Ouais. C'est que quand il a fait sa reco de parcours, il utilisait son sandwich dans tous les sens et il s'est dit, si je veux gagner le tournoi, je ne pourrais pas gagner le tournoi avec le sandwich. Il va falloir que je fasse rouler la balle. Et donc de là, sur toutes ces parties de reco, bah, il a utilisé son fer 7, il a utilisé son fer 9 aussi, sur des coups qui étaient plutôt roulés, son putter en dehors du green, pour faire vraiment rouler la balle. Privilégié. Et on se souvient que Tiger Woods a quand même été un des premiers à utiliser le bois en dehors du green pour faire une petite approche roulée. Anecdote, je pense que c'est plus simple, même au niveau des approches. J'ai une situation relativement facile, j'ai pas danger devant. C'est plus facile de mettre un coup de putter proche du drapeau que de chercher à avoir une amplitude avec le sandwich et d'avoir une approche qui va se retrouver des fois à 3-4 mètres du trou. Il est bien ce tips. Voilà le petit tips à travailler. On ne travaille pas forcément sur des effets, mais on peut travailler sur des hauteurs de balles
pour pouvoir progresser dans sa stratégie de jeu et gagner aussi des coups sur le parcours.